présente le 10e Festival mondial du théâtre à Nancy, 1975. C'est pour nous une très grande satisfaction de vous recevoir. Et si la prestation du maire de Nancy n'est pas prévue au programme du Festival du Théâtre Mondial Universitaire, c'est néanmoins pour lui une très grande satisfaction de vous recevoir au nom de sa municipalité. La ville de Nancy et son festival sont aujourd'hui très intimement liés, et l'on peut dire que grâce à vous, notre cité vit pendant quelques semaines à un rythme entièrement nouveau. Il fut un temps, et vous le savez, où l'on annonçait, où l'on prophétisait la mort du théâtre. Eh bien, vous êtes enfin là de faire la démonstration la plus éclatante du contraire, mais aussi la démonstration que, pour que le théâtre subsiste, il faut qu'il vive, et qu'il vive au rythme même des civilisations qui l'accompagnent. C'est la première fois que tu viens à Nancy? Oui. Et pourquoi tu es venu à Nancy? J'avais entendu parler du festival par le Nouvel Observateur. Oui. Et ça m'intéressait, parce qu'il disait qu'il y avait des pièces de théâtre qu'on verrait nulle part ailleurs. Alors voilà. Tu en as vu des pièces de théâtre? Non, parce qu'on est arrivé hier et puis maintenant tout est complet. Enfin, c'est un peu bête, quoi. Parce qu'il n'y a pas tellement de possibilités de les voir comme on est arrivé. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais fait un détour pour arriver à Nancy, pourquoi? J'avais mal lu le journal, je croyais que c'était à Strasbourg. Alors deux jours avant, on est passé ici à Nancy, puis on a continué sur Strasbourg. Puis à Strasbourg, on nous a dit qu'en fait c'était à Nancy, alors on est revenu. En Roumanie, Nancy était considéré, je crois qu'il l'est toujours, considéré comme le sommet. Oui. Des rencontres qui existent à travers le monde, des rencontres théâtrales. C'est une mise au point qui était annuelle jusqu'en 69, qui se passe maintenant tous les deux ans, qui est nécessaire, bon an, mal an, qui est très nécessaire, qui est une caisse de résonance formidable, qui a fait catapulter dans un circuit mondial des troupes qui jusqu'à là n'avaient qu'une audience
nationale, disons, et encore. Et dans les pays respectifs, je crois que c'est un peu partout la même chose qu'en Roumanie. Ça donne un label de qualité. Ça donne la possibilité de continuer ses recherches dans des qualités meilleures. On est pratiquement mieux chouchouté. Ah oui. Et oui, on devient des petits enfants terribles qui ont été à Nancy. Ah, c'est ça, on existe parce qu'on est allé à Nancy. C'est la Mecque. La Mecque du théâtre. Au Japon, Nancy est considérée comme un seul lieu où toute la troupe du monde peut montrer la valeur, quoi. Oui. Oui. Donc, toute la troupe japonaise veut aller à Nancy. On se précipite parce que après leur retour, leur travail sera admiré. Je suis tout à fait d'accord. Et je peux dire que l'aspect de Nancy qui me frappe chaque fois que je viens à Nancy, c'est l'immense foule. Et ça, pour moi, c'est le théâtre, c'est la fête même sérieuse, la fête tragique, si vous voulez. Mais c'est ce genre de fête que je trouve à Nancy et que j'aime beaucoup. Un beau jour, il est allé pour campagne et petit village. Et il a cheminé. C'est une année plus qu'il va. Il va à travers l'Italie et maintenant il est arrivé ici, dans l'Est républicain. Et il est allé à Longueville et maintenant il est ici à la pépinière, dans la vieille ville de Nancy, pour rencontrer le monde, pour rencontrer vous. Gorilla è arrivato. Il est arrivé, Gorilla, pour inventer ensemble nos vraies histoires d'aujourd'hui et de demain. Gorilla est arrivato per inventare insieme le nostre storie vere di oggi e di domani. Tu as vu combien de spectacles alors à Nancy? 13. 13? Alors, tu allais presque tous les jours alors? Non, j'y allais le mardi soir, parfois le mercredi à 5h, et puis le samedi, deux spectacles de 8h30 à midi, et puis de minuit à 2h du matin. Jusqu'à 2h du matin, tu allais au spectacle? Et tu dormais pas? Ah si, beaucoup. À partir de 1h du matin, il y aurait nuit, jusqu'à 2h, je dormais. Złodziej z szykiem jest ubrany, w niebie byle gówniarz,
Ça fait un jour que je suis là et je suis un peu paumée, justement, par rapport à ce que moi je pensais, si tu veux, en arrivant, de tout ce qui est festival et tout ça. Et puis bon, ce que j'ai vu hier, et j'ai envie de voir d'autres choses, je peux pas dire, tu vois, je suis moi-même assez paumée là pour l'instant. On y arrive comme en voyage organisé. À Nancy. À Nancy. Alors, moi, je déteste les voyages organisés, par exemple. Alors, j'arrive un peu sur la pointe des pieds, gêné. Et puis, en fait, au bout d'un moment, tu te sens libre. Tu t'aperçois que c'est pas un voyage organisé. Mais c'est l'organisation qui te donne cette impression-là, tu vois. Et j'avoue que le premier jour, ça me faisait un peu chier, quoi, les prospectus et tout. Puis on dépasse tout ça, quoi. Et à un moment donné, on se sent libre d'aller où on veut et de voir ce qu'on veut. Et on fait des rencontres avec d'autres gens. Et puis on vit dans un autre monde, quoi, quand même. Et puis je me fais chier, s'il y a Dalia qui s'y a, pourquoi ? Raz śmiało można. I razem. Dobra, teraz do tyłu. Seul un théâtre qui a un contact vivant avec la réalité, un contact réel avec la réalité, qui est plein de significations liées à cette réalité, seul ce théâtre-là peut vivre, peut survivre et se développer. En automne 73, dans un pays qui ne peut se contenter de son sort, le sort de tout opprimé, vivre pour le bien de quelques-uns, vivre dans la misère et le désespoir, vivre sans pouvoir vivre, mais regarde le bien. Parce que tout peut changer. Mais une semaine à Nancy, il nous donne beaucoup de force. Parce qu'au Portugal, la lutte continue. Et au théâtre, la lutte, c'est très grand même. Parce que s'il y a une révolution, si l'homme est en lutte, le théâtre, il faut accompagner sa lutte. Par la force des armes, les chefs de l'armée et de la police chilienne renversent le gouvernement du président Salvador Allende, élu par le peuple. Immer die Wege der Welt zum Guten in Lenk. Lopez est interrogé pour la première fois depuis son arrestation par un officier et une doctoresse. Du brauchst nur ja zu sagen. Nur ein paar Namen, das ist alles. Wer war der Anführer von La Hoguera Austral in Santiago? Oh.
Also nochmal, ein KP-Mitglied und Industriegürtelverteidiger hat keine Freunde. Was ist mit Altamirano, Vera Gallo, Domingo, Savary, Marina, Enriquez, ha? Die gehört? Geht weg. Alle 15 Minuten wecken und Elektroschocks. In 3 Tagen nochmal vorführen. Der nächste erst in 15 Minuten. Ich muss was essen. Voulant donner de la force à la classe ouvrière, aux gens qui travaillent pour cette société et qui la soutiennent avec leur travail, et pas à ceux qui en profitent de ce travail, pour lesquels le théâtre bourgeois joue en généralement. Donc vous inventez une nouvelle façon de jouer la comédie? Oui. Enfin, on ne peut pas dire maintenant si c'est une nouvelle façon, mais nous jouons pour un nouveau public. En ce qui concerne les travailleurs, il y a eu sûrement, et les statistiques le montreront aussi, qu'il y a eu un plus grand nombre de travailleurs qui ont pu assister pour voir des pièces. Je crois que c'est aussi important parce qu'on a dépassé un peu aussi la barrière linguistique où il y avait un peu cet aspect pour les travailleurs qui disaient « Oui, mais des troupes étrangères, comment on va pouvoir suivre ?» Et je crois que le fait de se le répéter, de discuter avec des camarades de travail et les quelques travailleurs qui sont allés dans les premiers jours ont pu se rendre compte que cet obstacle de la langue n'existait pas en fait dans la mesure où les sentiments qui étaient exprimés, ils se retrouvaient parfaitement dans les scènes qu'ils voyaient, qui étaient comme disait monsieur, des scènes de lutte, qui vivent tous les jours dans leur vie quotidienne. Et je crois que là aussi, ça a permis de débloquer sur un certain nombre d'obstacles qui pouvaient exister auparavant. Le festival est l'occasion pour toute une partie de la population de voir du véritable théâtre, en dehors des traditionnelles tournées du grand théâtre qui n'apportent pas grand-chose du point de vue de la connaissance du théâtre actuel. Je crois d'autre part que ce qui est le plus frappant, c'est l'extrême diversité des pièces qu'on peut voir au festival, de recherches qui vont dans des sens extrêmement différents. Ouais. Et même si l'adhésion de la population ne va pas à toutes les pièces proposées, je crois que l'image même de cette diversité a une grande importance pour la population de Nancy et montre ce que peut être un théâtre totalement différent de celui qu'on est habitué à voir. J'avais créé, en entrant à la faculté de droit, une compagnie d'étudiants, une compagnie de théâtre d'étudiants. Et avec cette compagnie de théâtre d'étudiants, nous étions promenés à travers l'Europe et nous avions participé à des festivals qui existaient à l'époque, qui ont disparu aujourd'hui. Festival de théâtre étudiant. Il y en avait en Italie, il y en avait en Turquie, il y en avait en Allemagne. Alors ce qui était très... C'était une atmosphère assez extraordinaire. Enfin, pourquoi? Comment c'était? Parce que c'était... Bon, on était uniquement des étudiants, on était... C'était un sentiment d'être dans une petite aristocratie, il faut le dire. Un monde à part, avec une très grande complicité.
Je ne sais pas si aujourd'hui d'ailleurs on pourrait réaliser comme ça, couper complètement d'une ville, un festival entre soi. C'était une fête entre soi, entre complices. Alors, je me demande même comment ça a pu marcher. Je ne me rappelle plus très bien les détails. Je me souviens, je me vois encore avec une machine à écrire, taper des lettres, des centaines de lettres. Et c'était d'ailleurs dégoûtant parce que des carbones comme ça, c'était même pas de la ronéotypie. Écrire à des universités, aux recteurs des universités, à des associations d'étudiants dont on avait pu avoir la liste, à des ambassades. J'achetais les journaux de différents pays pour essayer de relever le nom d'un type, d'un autre. Puis j'informais de la nouvelle. Alors tu disais, il existe un festival. Alors qu'il n'existait pas. Il n'existait pas. Comment s'est passé le premier festival, tu t'en souviens? Je me souviens très bien qu'on ne jouait à ce moment-là qu'au théâtre Place Stanislas. Et le premier spectacle, il y avait 200 personnes. 200 personnes. Alors, pour faire venir un petit peu de monde, je suis allé avec quelques amis dans les amphithéâtres des facultés, parler aux étudiants et dire, vous n'êtes pas très chic. Il y a des étudiants qui sont venus d'autres pays, qui ont fait un effort considérable pour venir à Nancy. Soyez chic, vraiment, venez voir leur spectacle, ça vaut la peine. Alors, certains sont venus et puis le théâtre s'est rempli. Mais c'était quand même seulement au théâtre municipal. Et puis alors, il y a eu quand même au départ une certaine peur de la ville, une certaine crainte de la ville. Pourquoi ? Voir arriver dans une petite ville comme ça des Brésiliens, des Japonais, des étrangers, très étrangers. Une ville qui aime son calme. Comment s'est ressenti, Madame Serrin-Schreiber, le festival à Nancy ? Bon, le festival à Nancy, c'est la fête. La fête ? C'est la vraie grande fête. Mm-hmm. C'est ressenti admirablement. Pourquoi vous... Non, parce qu'on m'avait dit comme ça, qu'on disait que c'était pas tout à fait parfois bien accueilli. On disait oui, ce sont des gauchistes, des barbus, des gens échevelus, comme ça, qui se promènent dans les rues, qui font du mal, du désordre. C'est vrai que ce sont des gauchistes, des barbus, des bariolés. Mm-hmm. Mais nous qui sommes très conventionnels, très assis sur les traditions, très soucieux de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, nous sommes très 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 heureux qu'on casse les règles de la courtoisie. La courtoisie encadrée pendant un certain temps, car la courtoisie reste. Voyez-vous, ces gauchistes, ces barbus, ces bariolés sont accueillis dans les restaurants, on leur sourit dans la rue, on leur ségrée d'animer les rues le soir. On se précipite à leurs pièces. Il n'y a pas un billet. Je voudrais aller ce soir au théâtre, il n'y a pas un billet. Pas un billet, donc ça plaît. Il y a beaucoup de fêtes comme ça, Nancy? Non, il n'y a pas beaucoup de fêtes. Il n'y en a qu'une. Il y en a une autre plus populaire qui précède le festival et qui est une nécessaire entrée en matière, à mon avis, qui est la foire. Vous savez que nous avons une des foires les plus belles de France. Personne ne le sait. Nous avons encore des manèges très anciens, du temps 1900, avec des chevaux sur lesquels sont marquetés des petits morceaux de glace découpés. Nous avons des gaufres extraordinaires faits dans un gaufrier en vermeil. Nous avons une foire très étonnante qui précède à 15 jours le festival. Ils font des pièces qui sont très amusantes parfois et des pièces qui sont intéressantes pour l'école. Pour l'école? Oui. Quel genre de pièces? Ben, des pièces polonaises. Ah bon? Tu as vu des pièces de spectacle polonais? Oui. Lesquelles? Le Tchour. Le? Tchour. Tchour? Oui. Ch'tou? Oui, le Ch'tou. Ch'tou. C'est quoi le Ch'tou, là? Eh bien, c'est des gens qui chantent. Et puis, il y a un monsieur qui a des plumes de derrière avec un chapeau. Oui. Et qui avance pour ramasser de l'eau dans le puits. Oui. Puis les gens chantent, alors tout à coup, on voit un voile qui monte, qui tiennent comme ça en tirant tout fort. Puis ils chantent très haut, alors c'est très joli d'entendre des voix. Et puis il y a une dame qui arrive tout en blanc, avec un monsieur avec un pantalon tout en blanc, avec une veste blanche, qui arrive, et puis ils font brûler des papiers partout. Puis après, moi, j'ai pas vu la fin. Pourquoi? Parce que je dormais, c'était fatigant. Szanuj starszych, nie podnoś głosu i nigdy nie mów, że masz rację! Powiedz wreszcie, co cię tak bardzo gnębi! Wyrzuć to z siebie nawet wszystko! Krzyknij wreszcie na całe gardło! Zerwij się! Szybciej, szybciej, szybciej!
révolte contre la grisaille, contre la médiocrité, contre la platitude quotidienne. Tak, i jeżeli tutaj we Francji my czujemy, że widownia przyjmuje nasz spektakl i że przeżywa go razem z nami, to znaczy, że jest to widownia, która rozumie, co to jest szarość, co to jest nijakość, co to jest brak kryteriów moralnych. Hmm. Oui, et si ici ils sentent que ce spectacle est bien accueilli par le public français, c'est que ils ont l'impression que le public sait et comprend ce que ça veut dire la médiocrité, la tristesse, la platitude, la grisaille. Oui, je crois que nous pouvons comprendre. Jutrzejszych naszych marzeń, na twarzy przezroczystość, na twarzy bez wyrazu, na nasze oddalenie, na naszą nieobecność, naszą obojętność. Piszcze iskierkę cień, jak kotwicę. Oh, yeah, vilkjast eins og hafið.
diabo te consome! Homem virou mulher! E a mulher virou homem! Saudade tão grande, saudade que eu sinto do clube das pás, dos vassouras, fascista traçando tesoura, mergulha atrás de lá. Batidas de bumbo, são maracatus retardados, chegam na cidade cansados, passando estandartes no ar. Toute la ville a été prise dans ce mouvement. Et c'est ça qui est important, parce que il est très facile, je veux dire, de créer comme ça une manifestation ponctuelle à un coin de rue, de monter une estrade et d'y faire jouer des comédiens. Mais si la ville entière ne se modifie pas, ça n'a pas de sens, je veux dire. Or là, ce qui s'est passé pendant deux jours à cet égard est totalement nouveau, je veux dire, totalement... Les gens qui venaient là découvraient non seulement que la vie, qu'une ville pouvait revivre... Oui. Et qu'on pouvait vivre autrement. Et qu'on pouvait vivre autrement, Les gens parlaient, je veux dire. Je ne dis pas qu'on s'est retrouvé comme à Paris en mai 68. Mais. Il y a ça. Il y a de ça, il y a un peu de ça. Nous équipons par exemple 22 lieux scéniques. Chaque lieu est équipé différemment, chaque lieu a son originalité, chaque lieu a son atmosphère, chaque lieu a son caractère. Non seulement selon son dispositif, mais selon sa situation dans la ville. Le festival lui-même, certaines des salles se trouvent en périphérie. Le public, il y a des migrations extraordinaires de public, des itinéraires qui sont empruntés, qui d'habitude ne le sont pas du tout.
Des gens qui traversent des quartiers qu'ils ne connaissent pas du tout. Des Nancéens qui découvrent l'approche banlieue. Le public de la banlieue qui, par contre, découvre la vieille ville. Public qui habite les HLM de Vendeuvre ou d'ailleurs, qui vient au festival. Parce que nous avons certaines proportions de gens habitant la périphérie de Nancy qui viennent au festival, ont découvert la vieille ville. Ont découvert la vieille ville abandonnée par les voitures et rendue à la population, rendue aux itinéraires piétonniers, rendue au jeu des enfants, rendue à la liberté d'utilisation de son espace. Nancy, n'est-ce pas, dans cette petite ville. Tu l'as vu. Maintenant, il y a des milliers de gens qui accourent de partout, de la région. C'est un point, d'ailleurs, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, n'est-ce pas, je pense. C'est-à-dire que c'est, je pense, l'un des rares festivals dont le public n'est pas importé, n'est pas un public étranger à la ville. C'est un festival qui, maintenant, est profondément enraciné dans la ville. Et cette ville se transforme. Les gens deviennent beaux. Les gens se parlent, les gens s'aiment. Je crois que l'exemple de Nancy, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire, mais il faut être un petit peu pédagogue aussi, l'exemple de Nancy prouve que quand on a une ambition, je veux dire une ambition humaine, quand on essaie de toucher la sensibilité des gens, non pas au plus bas, eh bien, on peut transformer et on peut vaincre ce que les imbéciles appellent l'impossible. Parce que l'impossible, il n'est impossible que pour les imbéciles, n'est-ce pas ? Et en effet, si dans un bureau de Paris, un technocrate capricieux et velléitaire avait, prenant la carte de France, décidé un jour qu'il faudrait créer en France un festival international du théâtre, bien entendu, il n'aurait pas choisi Nancy. Certainement pas. Il aurait peut-être choisi une ville du Sud, une grande ville, ou Paris. Non, sinon jamais. Et je pense que ce climat de fête, enfin, qui est celui de la ville pendant le festival, devrait être le climat de la ville toute l'année, si c'était possible. On pourrait en prendre toutes sortes d'exemples. Mais il est certain qu'à ce moment-là, il y a une très grande tolérance. Cette année, en tout cas, par exemple, les forces de police ne sont nulle part présentes. On peut se promener dans la ville, on a l'impression qu'on peut faire absolument n'importe quoi. On pourrait même se promener nu, par exemple, place Stanislas, sans que quiconque intervienne. Il reste qu'après, d'abord, on parle du festival, on parle du prochain,
Et puis, quand on propose de faire quelque chose, les gens ont un état d'esprit légèrement différent en admettant que même un petit truc qui ne réunira que 100 personnes peut être fait. Que ce soit une conférence, que ce soit un artiste de passage que l'on invitera, avec lequel on discutera, qu'on fasse une petite réunion, je travaille dans un centre de recherche, on s'installe au 4e étage et on discute tous ensemble. Un état d'esprit beaucoup plus libre. Et on admet que c'est pas forcément en demandant, en allant demander au maire de Vendeuvre, de Nancy ou d'ailleurs des subventions qu'on va faire quelque chose, mais on fait les choses directement à partir de la base. Et ça, je crois que c'est un résultat du festival qui est très important. Je pense d'ailleurs que cette année, avec la participation beaucoup plus grande, j'ai l'impression, des gens, c'est fou le nombre d'amis que je rencontre, que je connaissais dans la vie professionnelle et que je vois dans la rue, au spectacle, à la dragée. C'est extraordinaire, moi, je trouve. Et j'ai l'impression que cette année, les retombées, justement, et cet esprit va être encore plus grand qu'il n'était et va s'implanter vraiment dans Nancy. Et Nancy est sa banlieue, ce qui est très important. Je demande alors que les autorités publiques, je ne sais pas lesquelles, prennent la décision, par exemple, de maintenir un lieu comme la dragée ouvert toute l'année à tous ceux qui le désirent. Par exemple, le jour où des gens le souhaitent, un groupe de travestis, qui pourrait évidemment ne pas être un groupe de travestis new-yorkais, puisque Nancy semble avoir découvert l'art du travesti, mais un groupe de travestis nancéens, n'est-ce pas ? Ça, alors personnellement, comme vieux nancéen, ce serait vraiment l'accomplissement de tous mes rêves, si je pouvais voir en permanence des groupes de travestis se produire à la dragée. Build a stairway to paradise with a new step every day. Je veux présenter Hibiscus, qui a fondu les troupes coquettes avant et après les troupes Les Anges de Lumière. Mm-hmm. Et ici, you want to say something? Tu veux dire quelque chose, Hibiscus? Okay. Et après, sa mère, Anne, qui a écrit toutes les chansons. Et après, tu veux dire quelque chose, Anne? Hi! Et après, la sœur de Hibiscus, Lulu Bell. Lulu Bell. Qui est aussi la petite fille de madame ici. Et après, Jacques, l'ange Jacques. Oh, the sex. Qui a fait toutes les toiles de fonte, qui a fait tous les chapeaux et tous les costumes avec un petit aide des autres. Et après, près de lui, c'est Sassy, la sœur de Lulu Bell, la sœur de Hibiscus et la petite fille de madame qui est le premier, qui est l'esprit dans l'histoire du... C'est le scénario. Ah bon. L'esprit dans l'histoire du spectacle. Et après, près de lui, c'est Adam. Adam. Qui est notre premier homme. Et après... Près de lui, c'est Java Jones.
Java Jet. Java? Java Jet, mais excuse. Oh, you can say what you want, yes. Bonjour. Et après, c'est Charles, au bout là. Charlotte. Et comment ça s'est passé, la rencontre avec eux? Bon, on était dans un bus d'Amsterdam jusqu'à Athènes. Et j'ai rencontré, que Jacques et Hibiscus et les deux jeunes filles étaient très, très amusants, toujours, ils font du razzmatazz. Ils chantent, ils dansent dans le bus, tout le monde était en folie, en fête. Da, 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 da. C'était toujours minuit, c'est toujours la pleine lune. C'était un autre monde comme ça. Et on a l'impression en même temps que c'est un grand rêve, ce spectacle. Enfin, on a l'impression d'être à la fois dans la réalité et dans un rêve. Mais qu'est-ce que c'est que la réalité? C'est une chose que la société a décidé. C'est plus réel de travailler, dans un bureau, être un peu mécontente, avoir une femme, avoir deux enfants, avoir une voiture. Mais on n'a pas... C'est pas très passionnant, cette vie. Nous trouvons. Ça, c'est... Moi, je trouve pas. C'est un autre type de rêve. C'est un rêve très, très ennuyant. Mm-hmm. Je préfère... Nous tous préférons les rêves comme ça. Pétillant, un peu fou, un peu pas confortable de temps en temps, mais ça vaut la peine. Il faut. Et c'est pour une petite fille comme ça, se déguiser comme ça, c'est toujours comme si on jouait un peu quand on est petit. Oui. Non? Mais les petites, vous avez vu les enfants qui le font tout le temps. Oui, bien sûr. Oui. Nous sommes comme des enfants, changer la réalité de visage. Get that artist junior body wax and get it in the open air. Go and find a little rendezvous underneath the starry skies. Act a little shy, tall one. Startle just a little, then hug a little. Cuddle up and whisper this. Come on, we've been waiting long. Why don't we get started? Come on, maybe this is wrong. But gee, what of it? We just love it, and in the park, we do, and in the dark. Aujourd'hui, maintenant, c'est une obsession, n'est-ce pas? Chaque fois qu'on parle d'activité artistique, chaque fois qu'on parle d'activité de création, intellectuelle, culturelle, tout de suite, on demande combien ça coûte, est-ce que ce sera rentable, combien de spectateurs viendront, etc., etc. Et ces questions sont absurdes, plutôt. Ces questions, elles signifient que, de plus en plus, malheureusement, tout est organisé en fonction du profit. Mais quand j'entends ce genre de questions, et que je me trouve à Nancy, place Stanislas, que je regarde... cet ensemble architectural unique, je me dis, mais les hommes qui ont construit ça au XVIIIe siècle, est-ce qu'ils se sont posés les mêmes questions? Et si c'était posé les mêmes questions, est-ce qu'ils auraient construit cette place, n'est-ce pas? Voilà une opération, j'imagine, qui n'était pas au sens où on l'entend aujourd'hui, rentable. Je ne sais pas, en Italie, on parle des crises du théâtre, on parle des crises du public. Je ne sais pas si c'est cette... ces mots tournent même en France, tournent en Latin-Amérique, en Japon, mais on en parle, on écoute. Moi, j'écoute même des comédiens qui disent « Ah, il y a trop de monde ». Moi, je dis « Moi, je suis content. Vive le monde. Je voudrais la foule de Nancy toute l'année, quatre fois le jour. » Oui, parce que une grande idée qui circule, qu'on entend quand on se promène un peu dans Nancy, c'est que « Ah, Nancy, dans le temps, c'était important parce que le théâtre était important ». Nancy 1975, c'est pas très important, parce que si c'est représentatif du théâtre, eh bien, le théâtre est en crise, et on ne voit pas de ces grands spectacles dont tu parles, José. Crise, il faut la comprendre dans le sens d'échange. C'est très intéressant parce que c'est une parole qui a une ambivalence. Pour la bourgeoisie, l'échange, c'est son danger. Alors, il nous a fait penser que crise, c'est une parole négative. Mais pour les gens que nous voulons que le monde change, la crise, c'est très positif. Alors, si le théâtre exprime la crise du monde, et dans cette mesure, cette recherche de forme, c'est une expression justement de changement du monde à niveau de l'art, ça veut dire que le théâtre en crise est très bien, parce qu'il exprime justement le changement de la société. Quand la société n'évolue pas, il est dans un moment sans aucune évolution, alors on ne parle pas de crise,
on répète les modèles tout le temps, et alors ça va très bien. Mais justement, la crise, c'est l'expression de l'évolution et de la dynamique historique. Alors, tel que Nancy soit un festival mondial de la progressivité ou de la progression du monde, il doit être toujours un festival d'un théâtre en crise. Et c'est très bien. C'était le besoin de mettre, de placer les chants et les danses populaires andalouses dans sa vraie situation historique et dramatique. C'est-à-dire, au lieu de chanter pour le tourisme, pour c'est les blagues de minuit, montrer que si on dit aïe 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 beaucoup de fois, c'est parce qu'il y a une douleur et pas un besoin de chanter pour les Américains. Le groupe, en ce sens, j'estime que c'est une histoire mille fois contée, mais par gens. Que no están viviendo esa historia. Sí, entonces, faut le traduire. Il dit qu'il pense que cette histoire qui est contée sur la scène, c'est une histoire qui a été mille fois déjà racontée, mais pas par des gens qui l'ont vécue.